Alors, analyse fonctionnelle du stylo, bonjour à tous. Le stylo, on va donc commencer par la bêta-corne. À qui rend-il service? Sur quoi agit-il et dans quel but? Alors, on va commencer bien sûr par marquer le nom du produit étudié au centre, ici. À qui rend-il service? Bien, à l'utilisateur, en général c'est toujours le mot que l'on trouve ici. Sur quoi agit-il? Sur quoi agit le stylo? Eh bien, je vais mettre le papier, j'aurais pu mettre un support. Hein. Bon, je vais penser à un stylo à plume, un crayon à billes, un stylo à billes, papier. Et dans quel but? Déposer de l'encre sur un papier, laisser une trace sur un support. Hein. Voilà, on peut... Bon, il y a différentes phrases possibles. Donc ça commence en tous les cas par un verbe à l'infinitif suivi d'un complément. Les fonctions de service du stylo. Alors FP1, la fonction de service principale, c'est-à-dire la raison d'être du produit, du stylo donc. Et puis les fonctions des fonctions contraintes. Alors la raison d'être du stylo, on l'a vu précédemment, déposer de l'encre sur un papier, voilà, laisser une trace sur un support, tout ça est valable. FC1, eh bien, être accessible financièrement, c'est classique hein, comme phrase, on pense au prix bien entendu. FC2, préserver la sécurité de l'utilisateur, très important quand on fabrique un produit, que l'utilisateur ne se blesse pas. FC3, respecter l'environnement, c'est une préoccupation importante de nos jours. Et puis FC4, bien sûr, plaire à l'utilisateur, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple. Maintenant, on va voir le diagramme Pieur. On va commencer par écrire au centre, dans la bulle centrale, le nom du produit. Et puis on va commencer par la fonction principale, donc à qui rend-il service à l'utilisateur, et qu'est-ce qui est en interaction avec le stylo? Il y a l'utilisateur qui est en dehors du stylo, et puis bien sûr le papier ou le support. Bon, FC1, on avait dit le prix, hein, voilà, c'est comme ça qu'on illustre cette fonction de service FC1. FC2, la sécurité, hein, classique. FC3, l'environnement. Vous voyez, dans les bulles, on ne met pas, on n'écrit pas de phrases, mais uniquement des mots-clés. Et ces mots-clés reviennent en général toujours. Ce sont toujours à peu près les mêmes. Et FC4, esthétique. Le stylo doit être esthétique. Donc, si on doit concevoir un stylo, un crayon, enfin, vous l'appelez comme vous voulez, il va falloir se préoccuper de tout cela. Ensuite, le cahier des charges, encore appelé tableau de l'expression fonctionnelle du besoin. Bon, FP1, laisser déposer de l'encre sur un papier, un critère d'appréciation, qu'est-ce qui peut permettre de mesurer, d'apprécier ce dépôt d'encre sur un papier? Eh bien, par exemple, la largeur du trait, la longueur du trait. La largeur du trait, eh bien, 1,5, il faut que le trait fasse 1,5, 1,5 mm, plus ou moins 0,5, c'est-à-dire il doit être compris entre 1 et 2 mm. Et la longueur du trait, ben, on peut écrire avec son stylo, c'est l'autonomie du stylo, pendant combien de temps? Bon, j'ai mis comme ça un chiffre, un nombre, je ne sais pas si c'est réaliste, j'ai mis 50 mètres, plus ou moins 2 mètres, donc entre 42 et 52 mètres. J'aurais pu mettre supérieur à 50 mètres, ce qui était peut-être mieux. Ensuite, le prix, un critère d'appréciation pour être accessible financièrement à l'utilisateur, c'est le prix. Le prix, je vais marquer un prix. Donc, je regarde un petit peu ce qui existe. Il faudrait que mon stylo soit inférieur à 4 euros, ça serait quand même bien. Ensuite, les normes au niveau de la sécurité, donc respecter les normes CE. Les matériaux, donc concernant l'environnement, plastique recyclable. Et puis, il nous reste le dernier, c'est plaire, couleur extérieure du stylo à la mode. Donc, il faut les couleurs à la mode. Enfin, on va finir par le tableau des fonctions techniques et solutions techniques. Donc, la fonction de service principale, c'est déposer une trace sur un papier. Pour assurer cette fonction de service principale, j'ai besoin de plusieurs fonctions techniques. Alors, quand on regarde un stylo, quelles sont les fonctions techniques indispensables? Eh bien, il doit contenir de l'encre, d'une façon ou d'une autre. Pensez au crayon à papier, il y a bien de l'encre, c'est du graphite.
stylo à bille, il y a de l'encre dans un petit tube, un stylo à plume, c'est une cartouche, etc., etc. Alors, solution technique, ben, ça peut être une cartouche en plastique, hein, c'est un exemple. On a toujours ça. Ça, c'est tous les stylos auront ce qui se trouve ici. Par contre, tout ce qui est marqué dans la colonne solution technique, c'est un exemple, c'est un choix qui est fait par le concepteur. Ensuite, il va falloir déposer l'encre. Alors, comment on va faire pour déposer l'encre sur un support, sur un papier? Ben, il y a différentes façons. Soit une plume, par exemple, une plume métallique. On peut prendre une bille, on peut prendre du graphite, là encore, comme un crayon à papier. Pouvoir être tenu. Alors, oui, il faut que le stylo puisse être tenu. Pour être tenu, ben, on peut penser à un tube de diamètre 1 cm à peu près. Hein, voilà, pour qu'il s'adapte à la main. Et puis, il faut protéger la partie qui dépose l'encre. Hein, souvent, c'est une partie assez sensible. Eh bien, pour la protéger, on peut penser à un capuchon ou à un autre système. Voilà. L'analyse fonctionnelle d'un stylo est finie. À bientôt, au revoir.